more nature corn for the 18th September. It is freaking warm outside. You have no clue. Let's film here. We don't film enough over here. Let's play a little bit with the controller. There you go. I feel like this is nice though. There you go. And his cat, so look less. Two for you to be. Don't blink, it's your boy Ink. Just a small announcement, just a small video. I do apologize, I sincerely apologize for this morning. We did 3 videos. As you can see, we were trying to really do it. I was doing a video where I was doing clips, but this is behind the scene. And I do feel like it adds to the universe of Ink Vendetta, right? And today was too warm. I don't know, I know when I use this phone, it tends to overeat. But what I'm using right now to film, it doesn't overeat usually. So it was really hot, and today I had to do it because I got multiple videos that if I don't do today, they're gonna delete. So I do apologize for that. So I don't know if I'm gonna continue making clips. I'm gonna try it again when it's not a warm day, but for now it's not looking very good. Anywho, we'll figure out something. Don't worry about it. Love you guys, take it easy. Peace. Don't blink, it's your boy Ink. Welcome to Welcome to the Show. Good to be well, kid, having a wonderful day. Today, actually, I'm really excited about this video. Really excited. You guys know that I've been trying to change the way we eat to be eating not necessarily more healthy, but less junky, which seems like the same thing, but isn't. And yesterday, I did mention that we finished with the Pop-Tarts. I was cleaning the house today again, and we had these. I bought these, I don't remember when, but I did buy this on Amazon. There's 10 package. This is the protein pack pastry, legendary hot fudge sundae flavor. I never had those, never had this brand, never had them. You can see here that there's a lot of flavor, a different flavor, so that's kind of cool. And I'm excited because I've been craving sugar the whole day. Anyway, I had these. I have another one, which is Keto Bomb. I'll show you guys later on. And that's pretty much it. I really, really, really enjoy this. So this, you can tell that this is my opinion, right? I'm not 100% sure, but this was sell to gyms. Because you look at it, and it's not the most attractive package. It's not the most attractive. And then when you look inside, look at this shit. Now this is beautiful. The bar in itself looks better, so possibly somebody that sells them. Let's see the calories, because that's also important. 180 calories, which is nuts, because it used to be 340. However, this costs more than Pop-Tarts, and there's only 10 of them. So quality price, I don't think this is good. No matter how good this is, it was super expensive. Fat, okay, cholesterol. I don't know if you guys want me to tell you guys about this, but there's a lot of protein, there's a lot of fiber, right? That's pretty good. Without further ado, check it out. I don't know which one you want. I do prefer this one. I really do prefer this one. Yeah. I want to know how long ago I bought them. Those expired by the 8th of 10. They expired in August. 10th of August. But then last year, because I'm supposed to start the weight loss journey as soon as I finish work. But I was a bit, not necessarily, I was sad. I was morning. But there you go. You have the pastry. And it's supposed to be very akin to Pop-Tarts. That's the way to go. For some reason, the cover made me think about Oreos, cookies and cream. It's hot fudge. So, hot fudge sundae. It smells really nice.
It smells nice, but weird at the same time. It smells like protein powder. It's I don't know. Oh, yeah. These are amazing. These are super good. A bit more nasty. If they only added the protein powder to the pastry, and that's amazing because the pastry really does taste like protein, which is a nice taste, but no protein. It doesn't taste bad, but it doesn't taste great. It tastes okay. What's cool about them putting in pastry is your filling, your sundae, hot sundae fudge, completely intact. Oh yeah, this is good. Oh, wow, that's really disrespectful though. The stuff is really nice. See? The harmony is good. Definitely need to do more. Taste like pastry. They're good, but I wouldn't eat a ton of them in one shot. They're really good though. A pastry tastes like a lot. Even one is like, holy shit. See, the filling and the top are nice. They're not enough to change the taste though. But so far, they're pretty cool. Some guys are pretty good. We're happy. Because we're happy, you're happy. Because you're happy, I'm happy again. Makes sense? Makes sense. Anywho, love you guys. Take it easy. It's your boy, welcome to the Girl Show. If you're doing well, because you're having a wonderful day on this 18th September 2024. What's good in French? Bloopers. Salut, c'est Jean-Chanin, j'espère que tu passes une belle journée en ce 10 septembre 2024. On fait une revue d'une émission qui m'est très très chère. C'est pas d'excitant. Normalement, là, quand tu me vois parler en français et des revues, normalement, je dis ça comme ça, mais normalement, là, qu'est-ce que je veux dire? C'est holy. Ok, il faut couper. Qu'est-ce que je veux dire? C'est. C'est attaque d'instant. Aujourd'hui, on fait la revue de l'épisode numéro 5, de numéro 6. Mais avant, je vais retourner un petit peu à l'épisode numéro 4. J'ai pas inclus. Oui, j'ai dit que Eren se sacrifie pour Armin en lui disant comment je pourrais dire ça? En lui disant hey, c'est toi qui me donne l'espoir, tu mérites de vivre. Moi, je suis prêt à me sacrifier pour toi. C'est vrai? Qu'est-ce que j'ai pas trop ajouté de détails parce que mon intention, c'est de voir l'émission. Quand je fais une revue, normalement, c'est une émission que j'aime. Et normalement, je veux partager la joie et l'amour de cette émission-là, de ce média-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'Armin se fait avoir, Armin se fait presque bouffer. Eren, il prend Armin, il pousse Armin en dehors de la bouche, puis dans la bouche lui-même, il se fait bouffer.
Right. Je donne l'épisode numéro 5 commence. On a toute l'équipe qui est en état de se faire pogner, de se faire. Il n'y a plus d'espoir. Puis qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que c'est l'effet de boule. L'effet boule de neige. Une équipe sur chez Bombier qui se bat. Chance. Et qu'est-ce qui est cool, c'est qu'elle a beaucoup inspiré les gens. Puis, qu'est-ce qui est quand même cool, cet épisode-là, c'est plus avec Mikasa. C'est beaucoup plus porté sur Mikasa. En fait, c'est probablement le MVP. Mais on va s'en parler pourquoi. On va s'en parler pourquoi c'est tellement intéressant. Eren a beaucoup inspiré les gens. C'est que le fait que lui soit mort. Quand nous on respecte ça, c'est sûr que ça affecte beaucoup. Pour les gens qui s'en vont, tu vois, Mikasa qui le sent tout de suite. Mikasa qui est mis à l'avance. Elle est considérée comme une des meilleures. Il y a une raison pour ça, parce que c'est une Ackerman. Petit spoiler, mais elle est pas vraiment une meilleure. Elle est posée dans l'élite. Dans le squadron. Qui est l'élite. Ok. Qu'est-ce qui est semblable à l'élite? Qu'est-ce que c'est l'expérience? C'est de quoi je parle. Qu'est-ce qui est vraiment cool? C'est que dès le début, votre Mikasa est portée à faire des choix. Il y a quelqu'un qui porte un cargo avec la bouffe. Puis la bouffe, c'est quand même important parce que la bouffe, c'est une façon de survivre. Puis une autre, tout le monde lui dit, hey, faut qu'on passe. Puis, non, une fois que j'ai passé, c'est passé. Ma bouffe, faut plus que vos vies. Puis techniquement, est-ce qu'il y a tort, est-ce qu'il y a raison? Oui et non. Et je vais pas être trucu, mais quand dans les autres préférés, avant, un mur a été brisé, ils ont dû envoyer des gens faire tuer, parce qu'il n'y avait pas de nourriture pour tout le monde. Fait que oui, la nourriture, c'est assez important, puis oui, le fait qu'on est dans une place plus petite, la nourriture a apporté beaucoup de valeur. Fait que Mikasa, elle pousse, puis Mikasa, en tant qu'elle a gradué, il n'y avait pas 3-4 jours, là, puis ça, déjà, elle a fait des choix. Mais qu'est-ce que j'ai aimé? C'est pas uniquement qu'elle fasse le choix. Ce qui fait que j'ai aimé, c'est qu'il y a une petite fille qui l'a remerciée, puis ça rend émotionnel, mais. À se mettre au niveau de la petite fille, c'est une petite plaisir. Puis c'est cool parce que tu vois des gens comme Erwin, tu vois des gens comme Asa. Tu vois plus du nom du gars qui se sauvait quand il était petit. Mais c'est beaucoup des gens qui veulent l'espoir. Mikasa donne l'espoir à la petite fille, puis c'est vraiment, vraiment mignon. Puis on voit l'histoire de Mikasa, pourquoi elle est rendue comme ça, pourquoi elle et Eren sont si proches. Puis qu'est-ce qui est vraiment nice avec ça, c'est qu'à ce point-là, tu penses qu'Eren est mort. Fait que tu te dis, bon, mais regarde, Mikasa, pourquoi elle veut le battre? Fait qu'on se rend compte que Mikasa avait une famille très très gentille. Il y a eu des bandits qui ont essayé de la kidnapper. Techniquement, il a kidnappé la mère. Pourquoi? Il y a beaucoup de plats pour la population qui est morte. Puis, c'était une race. Je ne sais pas plus de la race qu'on donnait, je pense que c'est clairement asiatique. Mais, la race avait dit que c'est super rare. Les gars, ils veulent la kidnapper pour la vendre comme esclave. Je sais pas si c'est. XX. C'est la vente. Là, finalement, il tue le mari, le père qui n'a aucune importance. Puis la mère, elle se pousse sur le couteau pour protéger justement Mikasa. Là, pourquoi c'est important? C'est que la famille de Mikasa, qui était pas dit, c'est qu'il était le père de Eren. Pourquoi? On s'appelle que le père de Eren, c'est un docteur. Mais le père de Eren, il est là. Qu'est-ce qui est vraiment nice, c'est que tu vois le père de Ren, il est comme, hey, il y a une petite fille, il faut que tu l'entres avec elle. On va aller voir, il prend Ren avec lui. Puis quand elle porte, quand les brigands qui la portent, ils pensent que c'est docteur Eren. Et c'est vraiment cool. Parce que c'est une bonne surprise. Je sais que l'épisode est après Mikasa. Je sais que la star, c'est Mikasa. Mais il faut que je donne des points à Ren, puis je m'en excuse. Mais Eren enfant, c'est un badass. Eren enfant, il a tué des adultes, là. Et qu'est-ce qui est vraiment nice, c'est qu'il a vu ça. Le père, lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est qu'il a dit, hey, il faut que j'appelle quelqu'un, il faut l'appeler les secours. J'ai pas pu laisser Eren là. Techniquement, Eren est comme yo, il a pris un couteau. Mais le premier, il dit, je me suis perdu. Puis c'est vraiment, vraiment nice. Il prend deux couteaux. Le premier couteau, il dit, je me suis perdu. Le brillant, il s'approche de lui pour le clapper aussi. Et Eren lui prend un couteau dans la gorge. Right? Puis là, après ça, il s'en va dans la porte. Fait que là, il sort un balai avec un couteau, puis il fait comme une lance, puis il dessus. Là, il parle avec Mikasa, puis après, il y a le troisième. C'est que là, finalement, tu vois que puis c'est vraiment un beau moment parce que pour moi, c'est ça, Attaque des Titans. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça, l'essence du Attaque des Titans.
RL se fait pogner par la gorge, il se met contre le mur, il dit non, je te suis. Il dit mes amis. Et là, RL crée une cassette. Défends-toi. C'est un moment tellement puissant, là. C'est tellement un moment qui donne des frissons. Là. Il dit à Mikasa, hey, pas toi, c'est parti de base. Puis Mikasa, elle, elle revoit dans sa vie tous les moments que son père est tué. Quand son père était à la chasse, quand il y a eu un insecte, qui est devenu un insecte. Qui, grâce à un peu comme ça, une montre religieuse qui tue un autre insecte. Dans sa compte, elle fait ça, puis elle a un pouvoir qui est plus que les autres. Mais non, si c'est pas les spoilers, écoute pas ça. Mikasa, c'est une Ackerman. Ackerman, c'est des gens qui ont génétiquement plus de force. Levi, qui est le plus fort soldat du squadron, Scott, c'est un Ackerman. Il y a une raison pour ça. Je pense pas qu'ils sont reliés. S'ils sont reliés, ça se peut que ça soit genre cousin de cousin, tu vois. Ils ont le même ancêtre, ils sont surreliés, pas nécessairement. Fait que là, Mikasa a rien, puis avec Eren, puis elle a dit, j'ai pas de maison. Puis Eren, il prend son foulard, le foulard qu'il a pour tout le temps. Puis il dit, hey, tiens, nous, on va prendre soin de toi. Il la remet au chaud. C'est qu'à un moment donné, c'est là qu'il est vraiment en amour avec Eren. Et l'épisode termine comme ça. Elle se termine pour Mikasa qui s'en va pour voir si Eren est safe. Parce que voir la petite fille qu'elle avait de pouvoir se la rappeler, elle, en fait, qu'elle est la petite fille. Là, tu te rends compte qu'elle voit Armin. Épisode numéro 6. C'était fucking bon, c'était excellent, c'était incroyable. Je m'excuse. L'épisode numéro 5 commence à finir parce que c'est hyper important. Non, c'est l'épisode numéro 13, pardon. Mikasa, elle s'envoie pour voir si on est correct avec Armin. Armin dit qu'Eren est mort. Mikasa, elle fait la plus belle des choses. Elle voit que les gens sont, ils ont peur de mourir, ils ont peur d'agir, faut qu'elle les insulte. Puis elle les insulte, puis ce qui est vraiment nice, c'est que ça marche pas. Ça marche vraiment pas. Oh, j'aime ça à la distance, ça me fait capoter. Mikasa, elle fait un discours, ça marche pas. Après, elle s'en va, puis elle dit, si l'étude des lâches, elle dit, je suis plus de distance que vous tous, réunis de tête italienne, comme elle passe. La seule chose qu'elle dit, qu'il pouvait faire, c'est de me regarder. Puis, ça marche pas, mais ça marche avec une personne. Cette personne-là, c'est les chats. Qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les 10 premiers, la classe, on a vu quelqu'un qui s'appelle Marco. Marco est hyper important dans l'histoire. Mon personnage préféré, je l'avais dit, c'est Jean. J'adore Jean. Puis Marco, c'est le déclin, c'est la genèse de Jean. C'est l'élément déclencheur de Jean. Fait qu'il dit à Jean, t'es un bon leader. Puis Jean, il dit, hey, vous allez me laisser. Qu'est-ce que vous parlez comme ça? Elle vient vous insulter, battez-vous. On va lui montrer c'est qui les plus heureux. On va lui montrer que fuck Mikasa. Puis il s'en va. Ce qui est vraiment nice, c'est que Jean prend le dessus. Puis c'est tellement un bel épisode. C'est ça, en fait, avec Distant Pour. C'est pour ça que j'adore ça. Parce que c'est un monde terrible, c'est un monde d'apocalypse, c'est un monde parce que t'as pas de chance de survivre, c'est un monde parce que tout le monde meurt. Mais quand il y a un moment d'espoir, ça paraît beaucoup. Là, ce qui t'arrive, c'est que Mikasa est comme, ok, ben, Jean, il dit, on y va. Jean, il se rend jusqu'à la maison. C'est le plus gros problème. C'est que la maison. Puis ça, on va savoir pourquoi après. Je vais vous donner un petit spoiler. En fait, je donne maintenant un petit spoiler. Il y a des distants qui sont intelligents. On s'en rend compte dans cet épisode-ci. Les distants qui sont intelligents, ils ont dit, hey, allez voir ce building-là. Puis ce building-là, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les provisions. Pas de bouffe, mais de l'âme, de gaz. Parce qu'on se rappelle qu'ils ont une ceinture qui leur permet de s'accrocher après les murs et de voler. Un petit peu dans le même sens que Spider-Man. Mais sans nécessairement être Spider-Man. Fait qu'on se rappelle qu'il a été entraîné. On se rappelle qu'ici c'est pas essentiel. Hey, mes revues sont pas super bonnes. Hein? Il manque beaucoup de détails, mais bon, j'ai pas trop donné de détails non plus. Fait que là, ils s'en vont. Là, ils se ramassent. Ce qui est vraiment cool, c'est que Mikasa, elle a vu qu'elle avait trop de corps. C'est qu'elle tombe dans une glace. Puis c'est vraiment incroyable parce que c'est le sang Ackerman. Mikasa, elle abandonne. Elle veut que le titan là-dessus, elle peut pas s'empêcher de survivre. Peut-être qu'il y a un deuxième titan qui s'en vient. Puis le deuxième titan, lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire de la d'autres titans. Ça, c'est jamais vu. Peut-être Armin est encore là. Armin, qui est peut-être déjà, il dit, hey, c'est notre avantage. Fait qu'ils utilisent ce titan-là pour se rendre jusqu'à l'édifice de provisions pour aider. Puis c'est vraiment ce moment-là, c'est... Je me rappelle plus à quel point ce moment-là était spécial.
Puis le petit temps qui les aide, c'est incroyable parce qu'encore une fois, c'est de nouveau. C'est vraiment important ce moment-là. Puis dans le moment d'improvision, tu vois Jean qui a inventé du monde mais qui a malheureusement perdu des soldats. Puis c'est grâce à ce crise de ces soldats-là qu'elle est distante et qu'elle est trop occupée à les manger. Il s'est perdu. Il a réussi à être en sécurité. Fait que là, ça va dans une place, là, il dit bon, ma garde. Parce qu'on est safe maintenant, mais où est-ce qu'il y a les bonbonnes? C'est en bas, puis en bas, il y a beaucoup de distants pour infiltrer la base. Fait que là, Armin fait un plan. Le plan, c'est génial. Le plan, c'est on descend dans l'ascenseur, on a des fusils. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on leur tire dessus. C'est pas assez, on va les aveugler. Puis les gens en arrière, ils vont venir pour couper. Fait que ça va rassurer Sacha. Elle réussit pas, mais heureusement Annie est là. Annie sauve Connie, Mikasa sauve Sacha. C'est pas hyper important dans l'histoire, mais ça montre que ces deux-là, c'est plus fait de la cause du groupe. Tout le monde a réussi sauf ces deux-là. Et ça montre une hiérarchie de pouvoir, en montrant que Annie est extrêmement forte. Et en montrant que. Et en montrant aussi que. Comment je faisais ça? Mikasa est bonne. Puis, qu'est-ce que j'ai posé dans l'épisode numéro 4? C'est que Annie, elle. Physiquement parlant, c'est elle qui est la meilleure. Elle a des techniques que les autres n'ont pas. Et c'est elle. Puis le problème avec Annie, pourquoi j'en parle pas beaucoup? Parce qu'Annie, elle crache le training, mais c'est elle qui est le plus entraîné. C'est elle qui a le plus de chance de survie, mais elle crache le training. C'est pas bon. Fait que tu sais pas pourquoi. Puis tu comprends pourquoi plus tard, mais pour l'instant, c'est plate. Fait que ils s'en vont en bas, ils repartent leur affaire. Fait que là, tu vois un personnage qui se démarque, c'est Armin, qui fait le plan. Puis tu vois Jean. Qui dit à Marco, t'es un leader. Puis Marco il dit non, Jean, c'est toi le leader. T'es très. T'es quelqu'un qu'on se reconnaît beaucoup. T'es faible. T'es faible, t'as pas beaucoup de pouvoir. T'es pas le meilleur de la classe. Quand les gens font quelqu'un qui est pas le meilleur de la classe, ils se déchaînent, puis à t'attaquer, puis ils se défendent. Ils sont motivés. Ils sont motivés parce qu'ils sont atteignables. Ils sont motivés parce qu'ils sont quelqu'un de ton niveau. Quelqu'un de leur niveau est capable de dire ça. Et c'est ça aussi avec Eren. Eren aussi c'est similaire. Eren, lui qui a dit « Hey, il faut qu'on fasse l'escadron, il faut qu'on protège l'humain. » Puis Eren qui n'était pas le premier de la classe, qui dit ça, ça a valu beaucoup de la peine. Ça a fait beaucoup d'efforts. Pas beaucoup d'efforts, excusez. Ça a fait beaucoup de... Moi je peux dire ça. À chaque fois que je dis ça, le film en anglais, ça a fait beaucoup d'influence. Et tout ça pour dire. On peut mal finir. Il est sur quoi? Là, il s'en va, puis il voit que le titan qui l'a protégé. Finalement, le titan lui-même est en train de le faire dévorer. Là, est-ce qu'on le sauve ou est-ce qu'on le sauve pas? Puis là, il y a un moment à finir. Le titan, qui est en fait Eren, on se rend compte que c'est Eren. Je ne vous dirai pas pourquoi. C'est un malade, là. Il s'est poussé les deux bras. Là, c'est comme. C'est sur lui, il prend un corps. Puis il sert du corps comme l'épée. Puis c'est incroyable. Fait que c'est l'épisode. C'est l'épisode. Sachez que je vous aime. On se voit bientôt. Prenez soin de vous. Passez une belle soirée. Ciao! God, please, no bless you, you got the ruler.